ça peut être une demande de réorientation parce que j'ai eu des personnes qui étaient dans l'activité commerciale. Activité commerciale à outrance, vraiment très à fond là-dedans. Et puis, un cancer vous arrive. Et puis, ben, la vie, le goût de la vie, je dirais la valeur du goût de la vie change. Et la personne se dit, mais et moi là-dedans, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux continuer à avoir des horaires, gagner de l'argent et avancer? Ou est-ce que je préfère avoir une vie plus cool, avec des horaires un peu moins important, être plus proche de ma famille. Et là, elles peuvent faire un bilan de compétences et pouvoir regarder en elles ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, après un passage de vie professionnelle avant, la maladie, le parcours maladie, l'expérience parcours maladie, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je veux? C'est sûr que le parcours et l'annonce d'un cancer ne fait pas que chambouler notre corps, mais également notre esprit, la façon dont on se positionne par rapport à son travail, à son chemin de vie. Est-ce que notre travail nous épanouit d'un point de vue pratique, ou est-ce que éthiquement on a envie de se tourner vers autre chose? Moi personnellement, j'ai souhaité effectivement créer une association. Pour aider et transformer un petit peu cette expérience de vie et donner aux autres pour donner un sens encore plus profond à ma vie. Dans le cadre de ce partenariat, on a souhaité que la CARSAT investisse nos murs et vienne effectivement au sein même des lieux où on prodigue les soins à nos patients. Les patients sont habitués effectivement à être suivis dans nos instituts, dans nos hôpitaux. Et de rester dans cette bulle d'accompagnement et de confort, ça permet de les sécuriser. Et ils n'ont pas du coup à aller vers des grandes institutions, savoir quel numéro appeler, comment je vais faire, comment je vais avoir accès à l'information. Le fait de venir sur site, c'est très sécurisant, c'est très coucounant, et du coup, on diminue effectivement les angoisses et les appréhensions.